Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Walid Selman, bonjour. Bonjour Hakim Bey, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mardi 5 décembre, vaste mouvement dans le corps des chefs de Daïra, décidé par le président de la République. 201 mutations, il s'agit d'insuffler une nouvelle dynamique dans la gestion locale. C'est le premier colloque national sur l'investissement au sud du pays. Il s'est tenu hier à Adrar, 5 ministres étaient présents avec une série de mesures prises pour assurer notre sécurité alimentaire. À Gaza, les habitants de Rafah et de Khan Younes sommés d'évacuer la région après une nouvelle nuit de bombardement, l'ONU alerte sur un scénario encore plus infernal. Et puis en football féminin, les dames de la sélection nationale signent leur retour en Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis 2011. Elles se sont imposées hier une nouvelle fois devant le Burundi, 1-0. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mais avant de développer tous ces titres, le président de la République a reçu hier la présidente de la Cour africaine des droits de l'homme. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a tenu ses travaux durant un mois à Alger. Emani Daoud Aboud a souligné l'excellence des entretiens avec le chef de l'État. Déclaration sortir de l'audience accordée par le président de la République. I had very good discussion with His Excellency President. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé sa fierté d'organiser cette session et nous a assuré de son plein soutien. Comme nous le savons tous, l'Algérie est parmi les premiers pays membres à l'Union africaine à avoir soutenu la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le président Abdelmadjid Tebboune a réitéré son soutien continu à cette institution, un soutien ferme que je transmettrai à mon retour à l'Union africaine et la Cour africaine. And we are very happy and we will continue to work with the Republic of Algeria. C'était la présidente de la Cour africaine des droits de l'homme, Emani Daoud Aboud. Déclaration sortir de l'entretien ou de l'audience accordée par le chef de l'État, le président de la République, qui a également reçu hier en audience le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali. Également la une de l'actualité ce matin, Walid Selman, le président de la République qui décide un vaste mouvement dans le corps des chefs de Daïra. Avec le changement de 201 chefs de Daïra, promotion de 56 nouveaux chefs Daïra dans 8 femmes, et fin de fonction pour 23 autres. Ce vaste mouvement vise à insuffler une nouvelle dynamique dans la gestion locale en accélérant la concrétisation effective et en temps réel des décisions. Transition tout à tout pour parler économie avec cette révolution verte qu'on ambitionne pour le sud du pays. Les jalons sont posés. Ils étaient 5 ministres, des chefs d'entreprise à faire le déplacement hier à Drar. Une première avec la pose de la première pierre du projet de raccordement des puits agricoles réseau électrique, accord cadre signé entre le ministère de l'Agriculture et l'association professionnelle des banques et institutions financières nationales. Le tout concourra à la création de mégapoles intégrés pour le développement des filières stratégiques. L'envoyé spécial de la chaîne 3 à Drar, Ibtihal Hadouna. Les pouvoirs publics favorisent l'investissement agricole dans le sud avec un couloir vert pour l'acquisition de propriétés et l'installation d'infrastructures répondant ainsi au développement stratégique des populations. Youssef Chorfa, ministre de l'Agriculture. Le gouvernement prépare actuellement le cadre réglementaire pour encadrer ce processus qui vise avant tout à créer de grands pôles intégrés de développement de filières stratégiques, pôles qui partent de la production agricole en passant par la transformation, le conditionnement et le transport jusqu'au produit final à travers le développement des industries en fabriquant et en lui fournissant des intrants agricoles produits au niveau national, particulièrement la production d'huile, de sucre, de lait en poudre, de céréales, de légumineuses sèches et de coton destinés aux industries textiles. Pour sa part, le ministre des Énergies et des Mines, Mohamed Darkab, souligne l'impact majeur du secteur sur le développement économique en mettant l'accent sur l'agriculture. 46 000 exploitations agricoles ont été raccordées au réseau électrique depuis le début du processus fin 2020 jusqu'à aujourd'hui. Nous rappelons que des facilitations seront encore accordées pour accélérer les opérations de raccordement. Le développement de l'agriculture dans le sud et sa modernisation est une priorité des pouvoirs publics. Ces initiatives ont pour objectif d'insuffler une dynamique au développement économique et social, tout en consolidant la sécurité alimentaire du territoire.
Et rappelons ce matin la séance de vote aujourd'hui à l'Assemblée populaire nationale du projet de loi de finances 2024. Après le débat de la semaine dernière, le texte passera ensuite en débat au Conseil de la Nation avant sa signature avant la fin de l'année par le président de la République. Retour également dans cette édition sur les aides, la batterie de mesures décidées par le président de la République au profit des médias nationaux. Parmi ces mesures, la baisse de 33 à 36% du coût d'hébergement de sites web chez Algérie Télécom. La mesure vise à encourager la presse électronique à se déployer, des portails web accessibles pour le citoyen en quelques clics, nous dit Samy Alouna. Des mesures qui encouragent l'apparition de nouveaux médias dans le paysage médiatique, voire des médias traditionnels qui veulent passer au digital, en format application ou site web. Tous deux nécessitent un hébergement pour gérer à la fois le flux important de données, d'informations et permettre aux citoyens, aux internautes, d'avoir une actualité accessible en quelques clics. Samir Haïdi, journaliste au sein du quotidien Moudjahed. Cette décision qui constitue un soutien actif des plus hautes autorités du pays pour le développement ainsi que la promotion des médias encouragera dans ce sillage le développement de la presse électronique. La décision a par ailleurs été saluée par de nombreux acteurs des médias. Un hébergement des sites web au niveau national encouragé pour se prémunir de toute menace cybernétique, les manipulations, le vol de données, en bref, toute tentative d'atteinte à la souveraineté numérique du pays. Céline Magar, directeur général d'AL24 News. La réduction des dépenses et des charges pour l'hébergement des sites web algériens de 33 à 36% au niveau d'Algérie Télécom va permettre aux sites web algériens, notamment aux sites d'information, d'être hébergés en Algérie et de ne plus être sous le diktat des hébergeurs étrangers, notamment occidentaux, des offres importantes mais qui ne protègent pas les données d'information algériennes. Une presse électronique qui pourra également faire appel aux statistiques générées pour établir des constats sur l'interaction avec les internautes, quels sont les articles les plus visités, le temps de lecture ou de visionnage moyen, et ce pour offrir aux citoyens un contenu authentique de qualité, respectant l'éthique et la déontologie journalistique. L'actualité aujourd'hui, c'est également le lancement d'un nouveau système numérique pour assurer justement le chauffage dans les écoles, un système numérique de notification et de reporting de l'état du chauffage dans les établissements d'enseignement mis en service. Ce nouveau système signale instantanément toute interruption de chauffage, qu'elle soit partielle ou totale, et vise à fournir une intervention précoce, rapide et efficace pour réparer les pannes pouvant survenir. Et en prévision du mois de Ramadan, le ministère de l'Intérieur a annoncé l'ouverture des inscriptions pour bénéficier de l'allocation de solidarité. Les inscriptions se poursuivront à travers toutes les communes du pays jusqu'au 4 janvier 2024. 7h08 sur les ondes d'Algérie 3, direction Gaza. La situation s'empire de jour en jour pour la population prise au piège des bombardements à Rafah et à Khan Younes, où les civils sont appelés à évacuer après de violents bombardements qui ont duré toute la nuit. Un scénario encore plus infernal se profile, alerte l'ONU. Le point de la situation avec vous, Linda Babs. 60e jour de la guerre contre Gaza, un bilan qui s'élève désormais à 16 000 martyrs et 8 000 blessés, dont 70% d'enfants et de femmes. Des bombardements qui ont lieu dans l'opacité la plus totale, tous les services de télécommunication de la bande de Gaza étant à l'arrêt car Israël a coupé les principaux réseaux de fibre se trouvant de son côté. Seuls les journalistes disposant de téléphones satellitaires arrivent à nous communiquer quelques informations sur la situation sur le terrain. Les combats continuent dans le nord de Gaza, mais également dans le sud de l'enclave, pilonnés sans arrêt depuis 24 heures. Nuit d'horreur à Rafah et à Khan Younes, où la population a été sommée de quitter les lieux, mais elle n'avait nulle part où aller, le nord étant aussi bombardé que le sud. Les bombardements cette nuit ont forcé donc des dizaines de milliers de Gazaouis à fuir dans des espaces de fortune, des espaces de plus en plus concentrés avec un besoin désespéré de nourriture, d'eau, d'abri et de sécurité. De plus, l'espace autorisé pour une intervention humanitaire à Gaza se réduit constamment, notamment avec la fermeture aux équipes et aux camions de l'ONU des deux principales route traversant l'enclave palestinienne. L'armée israélienne va aller plus loin en barbarie et en cynisme. Le chef de l'OMS a assuré hier soir que l'armée lui avait demandé de vider dans les 24 heures l'unique entrepôt d'aide médicale dans le sud de la bande de Gaza, car elle comptait bien le rendre inutilisable. Cette situation fait réagir la patronne du CICR qui appelle à la protection des civils face à l'échec moral de la communauté internationale. Et la résistance palestinienne qui continue à impressionner
mentionné, 28 engins de guerre sionistes ont été détruits, des pertes humaines occasionnées dans les rangs également de l'armée sioniste par Kataïb al-Qassam, l'entité sioniste, qui n'a pas réussi à réaliser ses objectifs, nous dit Faïd Jabari, chercheur en sciences politiques, spécialiste du Moyen-Orient. Il en parle à Linda Hamada. On voit clairement sur le terrain de la guerre qu'Israël ne fait aucune réussite sur le plan militaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont atteint aucun de leurs objectifs militaires. Et s'ils ont réussi à avancer, faire de réussite sur le terrain, ils auront pu bien sûr déclarer. Donc il n'y a pas d'objectifs militaires réussis de l'armée israélienne. Il y a une avancée dans différents secteurs de Gaza, mais concrètement, il n'y a pas de réussite militaire. Il y a une partie de leur armée, de leurs soldats qui se sont retirés de la bande de Gaza, qui sont en retrait en arrière parce qu'ils sont confrontés à une réponse très musclée par les membres de Hamas. Et au Maroc, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation annonce une série de manifestations de rejet du peuple marocain de la justement normalisation des relations entre le Marzen et l'entité sioniste. Un sit-in national de protestation est prévu pour dimanche prochain. Retour chez nous pour parler football féminin, l'échelle continentale, les dames de la sélection nationale qui ont signé hier leur retour en Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis 2018. Elles se sont imposées une nouvelle fois devant le Burundi 1-0 en match aller. Elle s'était imposée par 5-1. Et pour terminer de la culture, nous nous intéressons ce matin une nouvelle fois à ces pages glorieuses de notre révolution. Nous nous intéressons ce matin à la ville de Boussada à travers un roman signé par Hamza Oudali, Sand Roses. C'est le titre qui relate la résistance durant la guerre d'indépendance. Fatah Boumati. Sand Rose est un roman en anglais de 336 pages qui nous plonge immédiatement dans les années 30, plus précisément en 1931. Un matin, deux sœurs, Fahima et Selima, arrivent à Boussada pour apprendre à danser la danse des Ouled Neil. Mais ce qui les attend dépasse leur imagination. Hamza Koudri en est l'auteur, il revient avec nous sur son premier roman. En 2016, j'étais en train de prendre des cours en écriture. J'avais rencontré cette histoire par coïncidence, c'est un podcast qui parlait des danseuses Ouled Neil de passage. J'avais découvert qu'il y avait la culture de Ouled Neil et si on agit à Boussada. Donc il y avait des photos, des peintures, des vidéos, les bijoux de Ouled Neil. C'est un roman qui parle de deux sœurs, Salima et Fahima. Et ils ont des idées, des rêves et des ambitions. Et par la suite, ils découvrent qu'à Boussada, c'est une ville pleine d'horreurs. Il y a la colonisation française, des attaques, des attentats, qu'il y a plein de violences dans la ville. Et après, quand ils tuent un soldat français par légitime défense, ils essayent de cacher le corps jusqu'à ce qu'ils se trouvent avec toute une résistance contre l'armée coloniale. Et donc, ils se trouvent au cœur de la résistance. Ce roman est à la fois un hommage à nos valeureux martyrs, mais aussi une forme de valorisation et de préservation de notre patrimoine. Le peuple algérien a vraiment souffert avec la coloniale française, bien sûr. Et donc ça, c'était un aspect de la résistance, un aspect de la façon qu'on a vraiment vécu l'époque coloniale. Mais aussi, je voulais que ça soit aussi une histoire sur deux filles qui voulaient avoir une carrière. Et donc, je voulais vraiment explorer cette partie. Sand Rose de Hamza Koudri, paru aux éditions d'Alimen, est un roman de résistance et un bel hommage aux martyrs de la révolution algérienne. Et il est disponible en librairie. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.